Donc, juste une remarque, j'ai oublié une chose. Donc, ici, on peut remarquer que pθ, il est conservé. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour ce qui concerne le pθ? Donc, puisqu'on parle d'angle, alors il faut savoir que pθ, ce moment conjugué, il s'agit tout simplement d'un moment cinétique. Donc, c'est une composante d'un certain moment, bon, d'un moment cinétique qu'on a. On a dit que pθ est conservé, c'est-à-dire c'est égal à une constante. Ça, c'est votre particule. Ça, c'est l'axe OZ qui est dirigé comme ça vers vous. Donc, Y, et ça, c'est X. Bon, la particule, elle est en train de jouer un petit peu dans cet axe OXY. Bon, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais ce qu'il faut savoir, bon, puisque pθ est égal à une constante, et on a dit que ce pθ, c'est un moment cinétique, c'est exactement sigma scalaire EZ. Bon, c'est la composante. On va dire. Oui, donc c'est ça. C'est la composante sigma z du moment cinétique. Donc c'est tout simplement, on va dire que ça, c'est le moment cinétique par rapport à l'axe OZ. Ben, il faut se méfier. Et ne me dites pas, ben, puisque je vois ce ici, θ, je vais dire par rapport à l'axe E, θ. Attention. Donc c'est par rapport à l'axe OZ. Donc, et ça, c'est pθ. Donc, ça, c'est la remarque la plus intéressante à savoir. Donc, les calculs, ce ne sont que des calculs d'une pure simplicité. Donc, après, on va voir une troisième question.